Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville. Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 21 mars, la Sainte Église célèbre Saint Nicolas de Flux, émérite en Suisse de 1417 à 1487. Écoutons la vie de Saint Nicolas. Une vie de foi, d'abandon pour son Seigneur. Saint Nicolas de Flux naquit en Suisse de parents pieux. Un jour, à la vue d'une flèche élancée sur une montagne voisine, il fut épris du désir du ciel et de l'amour de la solitude. Il se maria pour obéir à la volonté formelle de ses parents et eut 10 enfants. Son mérite et sa vertu le firent choisir par ses concitoyens pour exercer des fonctions publiques fort honorables. Sa prière habituelle était celle-ci: « Mon Seigneur et mon Dieu, enlevez de moi tout ce qui m'empêche d'aller vers vous. Mon Seigneur et mon Dieu, donnez-moi tout ce qui peut m'attirer à vous. » Il avait 50 ans quand une voix intérieure lui dit: « Quitte tout ce que tu aimes et Dieu prendra soin de toi. » Il eut à soutenir un pénible combat, mais se décida en effet à tout quitter, femme, enfant, maison, domaine, pour servir Dieu. Il s'éloigna pieds nus, vêtu d'une longue robe de bure, un chapelet à la main, sans argent, sans provision, en jetant un dernier regard tendre et prolongé vers les siens. Une nuit, Dieu le pénétra d'une lumière éclatante, et depuis ce temps, il n'éprouva jamais ni la faim, ni la soif, ni le froid. Ayant trouvé un lieu sauvage et solitaire, il se logea dans une hutte de feuillage, puis dans une cabane de pierre. La nouvelle de sa présence s'était répandue bientôt, et il se fit près de lui une grande affluence. Chose incroyable, le saint émérite ne vécut pendant 19 ans que de la Sainte Eucharistie. Les autorités civiles et ecclésiastiques, saisies de fait, firent surveiller sa cabane et constatèrent la merveille d'une manière indubitable. La Suisse, un moment divisé, était menacé dans son indépendance par l'Allemagne. Nicolas de Flux, vénéré de tous, fut choisi pour arbitre et parla si sagement que l'union se fit à la joie commune et la Suisse fut sauvée. On mit les cloches en branle dans tout le pays et le concert de jubilation se répercuta à travers les lacs, les montagnes et les vallées, depuis le plus humble agneau
jusqu'aux plus grandes villes. Nicolas fut atteint à l'âge de 70 ans d'une maladie très aiguë qui le tourmenta 8 jours et 8 nuits sans vaincre sa patience. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur comme Saint Nicolas. À tous ceux qui portent le précieux prénom de Nicolas, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À tous et à chacun, fructueux temps de carême. À demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville.